Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Project Zomboid. On se retrouve avec notre petite forteresse pas volante mais en bois qui est déjà pas mal hein. Salut tout le monde. Salut. Et je peux faire les murs de niveau 3, les vrais murs, ceux qu'on a chez nous. C'est bien, comme il est beau le signe. Ouais. Ceux qui sont les murs de la maison là en planche. Ouais, regarde là, et comme il est beau mon mur à poser à côté du portail. Par rapport à ceux du bas. Ah ouais, il fait un peu moins rafistolé, ouais, effectivement. Comment ça, pour moi, il est propre, il est neuf, on peut pas faire mieux. Et c'est plus costaud que les rondins, ça? Eh ben, en fait, non. D'accord. Du coup, bon, on va filer bien. Voilà. J'ai bien aimé la petite hésitation des familles. On va vous laisser là pour cet épisode, à plus. En fait, c'est quasiment pareil, quand je serai niveau 10, ils seront plus costauds que les rondins. Parce que les rondins, c'est fixe, et les murs, ils montent avec notre niveau en défense. D'accord. Ton niveau de menuiserie joue sur la solidité de tes murs finaux. Ah. Ouais, et même mon talent, parce que je crois que j'ai pris le truc pour faire des murs plus costauds. Hémophobe, c'est pas ça? Non, grande soif. Hémophobe, non, c'est pas. Non, on peut rentrer par là. Non, je l'ai pas pris le talent pour faire des meilleurs murs. Bon, bah, du coup, il pleut plus, on a pas d'eau, bravo quoi. Si, on en a plein dans les bacs, hein, ça va. Et tu sais que un bac de flotte, ça arrose un demi-plan de tomates. Voilà. Et tu sais que t'as planté 48 lignes de tomates sans avoir de bac de flotte à côté, quoi. Allez, on va déchirer les vêtements qui traînent là. Ouais, alors, le mur de tronc... Ah mais j'ai plus de bûches, voilà. Faut que j'aille faire... Bouteille de soda vide, d'accord. Essaye de te ramener le reste, hein, Tox. Ouais. Tu gagnes du temps. De toute façon, je vais... Là, au moins, l'avantage, c'est qu'avec la flotte, ça a été bien arrosé. Hein. Je peux pas ramasser les clous à part un, là. C'est quoi la blague? Ah oui, heureusement, ça arrose quand même les... Ils ont pensé que ça arrose quand même les... Ah, ça a tout arrosé? À droite, si tu veux, il y en a. C'est considéré comme bien arrosé, ouais. Voilà. C'est quand même la base. On est incapable de savoir à quel niveau de croissance c'est avancé. C'est marrant que je sois nauséeux comme ça à ce point, alors que en réalité il n'y a pas beaucoup de cadavres autour de moi. Ouais, c'est vraiment marrant. Ouais. Moi, je viens par ici, j'ai Titine, la mage qui voudrait dire deux mots. Bon, sinon j'étais en train de me dire. Faut pas poser les tissus par terre. Ah, et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai eu une requête pour le professeur Katox. Plaît-il ? On m'a demandé que tu fasses comment une explication. Alors c'était quoi déjà? Attends, je vais vous dire ça. Je l'ai noté. Ouais, bon, on va discuter en attendant. Pourquoi la lune n'a pas la même tête durant un cycle lunaire? Qu'est-ce qui lui donne cette forme de croissance, s'il te plaît, Katox? Putain, je vais pas en rentrer dans ce genre d'explication, merde. Écoute, une réponse simple, Wikipédia. Oh, c'est faible ça, c'est faible. Non. C'est un jeu... En plus, c'est pour Widmerk alors. Ah, c'est pour Weird. Oh, si c'est pour Weird, ben je dirais deux mots au prochain jeu de rôle. Il la verra bien la lune, sauf particulièrement la sienne. Et bah, sinon, pour faire simple, hein, quand même. Tout simplement parce que ce qu'on voit, c'est la partie éclairée par le soleil et que ça dépend de l'angle du soleil par rapport à la lune. Quand le soleil est derrière la lune, on voit plus rien. Il est derrière nous et qu'il éclaire toute la lune, on voit une pleine lune. Quand le soleil est derrière la lune. Et oui, ben on voit plus rien. Quand le soleil se situe entre nous. Lune. Ouais, c'est ça. Quand la lune se situe entre nous et le soleil. Alors on ne voit plus rien. Pas une éclipse, ça? Bah si. Non, l'éclipse c'est quand elle passe vraiment dans l'axe. Ça passe pas forcément complètement dans l'axe. T'es sûr que c'est pas plutôt la Terre qui est entre la lune? Ah ouais, ça peut être ça aussi. Ah, c'est le gros de la Terre sur la Lune. La Lune joue aussi un rôle sur les marées. Ouais, c'est l'ombre de la Terre sur la Lune d'après toi alors? Non, moi je dirais que c'est l'ombre de Mars par rapport à la réflexion du Soleil sur Saturne tout en passant par Uranus. Moi je pense. Pourquoi Uranus est là, je sais pas, parce que c'est drôle, ça fait Anus. Tout dépend de l'orientation de Pluton aussi. Ouais.
De planète ou corps céleste? Il n'y a plus de bûches. La moitié de l'un et la moitié de l'autre. Je peux pas emporter des bûches, j'en ai une trop. Planète là. Céleste. Et ils font quoi les coupeurs de bois là? Je cherchais un autre sac de randonnée. Alors, on explique les phases lunaires, merde. Ah bah ouais, super. Ça fait pas avancer, je me le blague tout ça. Ouais bah. Allez. Bah, tu fais avancer les choses toi peut-être. Ah pas mal ouais quand même. Je te vois pas, bouger moi là pour l'instant. Je vais chercher un autre sac pour transporter plus de bûches, parce que c'est la merde. Attends, bouge pas, je m'entraîne. Parfait. Parfait. Arrête. Tu l'as vraiment tapé, je crois. Bah, il m'a tué, là, regarde. Qu'est-ce que vous foutez encore? Il m'a tué. Il m'a donné des coups de hache. Je croyais qu'on pouvait le faire que quand vous étiez en PVP, vous êtes tout. Bah, il s'est mis par erreur. Il s'est mis par, par erreur. T'as cliqué par erreur mes fesses, oui. Bon, faut des bûches de l'autre côté là, au cas où vous n'aviez pas vu, il est fini. Bah votre... alors, s'il faut des bûches de l'autre côté. Il est pas fini, il y a encore un trou en plein milieu. Mais c'est pour pas que tu sois bloqué. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais prendre le véhicule. On va faire un truc. Foncer dans le mur. Ouais, voilà, merci. On va prendre le véhicule, c'est une démonstration de cocktail Molotov. Wouhou! Oh yeah! Qu'est-ce qu'il fout? Bah. Je pense qu'il voulait se charger de bûches tout simplement. C'est exactement ça. Je crois qu'il est parti le charger de bûches, ouais, c'est pas con. Hein. C'est pas faux. On peut mettre 3 bûches dans une voiture, mais c'est pas con. Ouais, enfin l'ambulance. Bah, il y a plein de cordes qui sont là par terre. Je les ramasse. Par contre, j'en ai pour 45 minutes. Hein. Oh non, tu m'as bougé! Mais sérieux quoi? Ah oui, c'est vrai qu'on peut les accrocher les bûches, je suis bête, je vais zapper ça. Bah, je t'amène des cordes de drap. Je suis tout à droite. Allez. Eh, on a fini un coin là quand même, hein, c'est pas mal. Les arbres. Katox, tu veux faire la porte de l'armurerie, celle qui permettra de sortir, ou on en fait pas de sortie? Moi je laisse la faire. Est-ce qu'il faut la faire? Parce que je pense que. T'es pris un zombie toi. Si tu regardes. Il y avait un zombie, quand j'ai coupé l'arme, il y a un zombie qui est apparu quoi. Tu peux simplement faire un trou dans cette petite pièce là, dans les chiottes. Ouais. Une porte déjà installée. Eh oui. Ah. Mais oui. Et du coup, comment on va aux toilettes? C'est pas un peu risqué d'aller aux toilettes après, du coup? Non, mais tu fais caca sur la tombe des zombies. Et par contre, le générateur, il porte pas jusqu'ici. Ah bah, bah non, il y a aucun lien entre les deux. Oh, la cochonnerie. Ouais, ah, bah là, ok. Ce que je vais faire, aller manger. Non, mes cordes de drap. Ah oui, putain. T'es où? Ah, il y a vos cordes d'eau dans les toilettes, c'est trop cool. Tout à droite de l'armurerie. Bon bah à droite tu t'enfonces un petit peu dans l'herbe hein, et jusqu'à la forêt. On va faire ça. Alors le signe noir, vu que je t'ai posé une question dans l'épisode d'avant, j'imagine que t'as eu le temps super d'y réfléchir, puisque c'est quand même cool toujours. Parce que la réponse est oui. Oui. Voilà. Bah c'est là où j'ai mis les bûches. D'accord, là, comme ça vers là. Ça te veut pas. Si, c'est super. En plus c'était une bonne idée de mettre des bûches. Alors, je te les dépose dans le coffre. Oh ouais, allez. Et on continue. Youfou. Bon, c'est épisode de Minecraft. Hein. Ah ouais, bah là, il faut faire des bûches. Les pauvres. Mais après, on sera quasiment à l'abri. Hein. On va raser la forêt. Et il faudra que j'aille refaire tous les murs de mon truc, mon suite. On a combien? Bon, il y en a. Ça va vite à refaire, en fait. Hein, puisque c'est que quelques planches. Bon. C'est beaucoup moins coûteux que les murs en rondin. Surtout quand tu passes juste de niveau 2 au niveau 3. Bon, est-ce que ça me fait maigrir tout ça? 105? Ouais, toujours pas. Hein. Putain la vache. Faut avoir les 4 bûches sur soi, hein, c'est ça? Sur soi ou poser par terre? Ouais, ou poser par terre, c'est bon. Hein. Poser par terre, pas trop loin. Hein. Bah, pour les ficeler ensemble. Voilà. Pourquoi je peux plus le faire là, le mur de bûche? Pourquoi il veut pas? Bah, t'avais peut-être pas assez de. Pourquoi je peux plus courir? Ah merde, je peux plus de force, fais chier. Est-ce qu'on a pas un problème de serveur? Moi ça me va. Moi j'ai pu équiper ma hache et tout, donc ça a l'air d'être pas mal. Non, bah, je sais pas. Alors, construire le mur. Je te vois là. Mur de tronc. Ouais. Non, moi je peux plus construire plus rien. Est-ce que j'ai des chiffons? Alors attends, 85. Construire mur. Ah, je peux pas construire de mur non plus, j'ai pas de tissu. Je pense qu'il doit manquer des tissus. Non. Ah bah attends, je te pose au sol parce que. Putain, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Mur, voilà. Ah ouais, là je peux construire.
Ok, c'est bah moi je dois être 3 minutes. Eh, mais il arrête pas de poser, stop, stop. Mais comment on fait pour empêcher ça? Stop, comment on lui dit d'arrêter? Tu te déplaces? Attention, non, je suis non, en train ça de marche construire. Pas, il continue. Il se déplace, il se déplace et lâche des chiffons au sol. Mais non, mais arrête, comment on fait là? Sérieux, ça s'arrête pas là, ça met les 50. Ah, c'est énorme. Non, pas ça. C'est énorme, franchement. C'est... Non, non mais arrête. T'as pas fait ça, ça avec les 1000 paquets de clopes? Ah, mais j'essaye de le mettre dans un sac, faut que je déséquipe, je sais pas, faut que je fasse un truc. Oh la vache. Oh purée, non. je vais les déposer là où on va faire les murs. Je suis triste mais je le vois pas. Franchement c'est super drôle. Hein. Oh ah, non. tu te souviens quand tu laissais des chiffons quand t'étais en voiture? Ouais. Ouais ouais. Bah là c'est pareil. Elle, là elle, je suis en mode auto là. Elle marche et elle laisse des chiffons derrière. Ah non mais purée. Mais si, profites-en pour faire un motif au sol. Tu fais une bite ou un truc dans le genre. Non mais j'ai... Alors j'en ai jeté 80 au sol et les 20 derniers j'ai pensé aller les mettre là où on va faire le mur quoi. Oh putain. Ah, c'est énorme. Reste positif. Ah purée. Par contre je comprends pas parce que j'ai les cordes de drap sur moi, il y a les bûches au sol. C'est pas des cordes de drap, c'est des cordes qu'il faut. C'est du tissu déchiré ou des cordes? Non, des cordes pour porter les bûches. Ça dépend, pour faire les murs ou pour les lier? Mais non, mais ouais, mais non, mais en fait je voulais les lier, tu m'as donné cordes de drap, mais ça me sert à rien. À rien de tout. Ah oui, d'accord, c'est chaud. Mais non, je voulais des cordes en fait. Bon, je sais pas où elles sont, moi, les cordes. Bah c'est pourtant un de nos biens les plus précieux. C'est pour ça que j'y touche pas. Ouais, c'est Damnat qui sait où elles sont. Potentiellement. Y'a un zombie là! Le gardien des cordes. Potentiellement pas, hein. Je sais peut-être pas où elles sont. Hop là, des bûches, y'a 3 bûches là. C'est sûr que Slan, tu les as pas, hein? De quoi les cordes? Non, non, j'ai pas les cordes. Non, 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 si j'avais les cordes, elles auraient disparu dans les piliers depuis un moment. Ok, non, c'est bon, j'en ai 4. Il y en avait encore un peu. Enfin, on en a que 7, c'est dommage, on en est pas 8, mais. Ah, il faut 4 bûches pour un mur, putain, c'est chaud. Bon, mon mec, il est totalement en train de ramper. On a la clé pour pick-up. Pour récupérer du très essoufflé, ça prend tellement de temps. Non, ah, tu récupères le mètre, ça vaut. Je suis à bout de force là, c'est pire. Je suis en train d'améliorer les murs. Même quand t'es à bout de force, quand tu cours, tu sens qu'il marche un peu plus vite quoi. Là, tu sens l'effort pour marcher un peu plus vite. Ah, mais est-ce que quelqu'un pourrait démonter la porte? Non, je peux plus rien faire. J'ai plus de bûches et je vais trop lentement. Je vais aller foutre sur une chaise pour me reposer. Je vais aller me suicider. C'est bon, j'en ai marre. Non, mais par contre, si vous voulez, il y a plein de tissus par terre. Il paraît. Pour le coup. Bah, j'ai entendu, c'est une rumeur, hein, mais. Ah non, mais moi je confirme la rumeur. Ah, mais putain, en fait, on peut passer à travers le générateur, c'est marrant ça. Youpi. Bah, depuis tout à l'heure, je fais le tour parce qu'il est toujours sur le chemin, mais en fait, on peut traverser. J'ai fait plusieurs fois le tour aussi. On va faire un mur de générateur pour te bloquer, on va te coincer entre 4 générateurs. Allez, on va faire style, on se repose dans le lit histoire de faire RP. Ouais. Profitant pour lire des bouquins quand même. Bah non mais j'ai déjà tout d'actif. Ah quoi, pas l'électricité, mais je crois qu'on n'a pas l'électricité pour les nuls. Je serais surpris qu'on ait pas le bouquin pour les nuls en tout cas. L'électricité, il nous manque que expert. L'électricité. Ah oui, on va le lire. Moi j'ai refait une belle porte et tout hein. Je suis en train de refaire tous mes murs en beau. Qui est-ce qui coupe des bûches pour l'instant et qui fait les murs? Bah moi pour moi je commence, vous savez, je suis allé chercher les cordes, je vais recommencer à faire des bûches. Ah oui. Bah moi pour l'instant je suis obligé de me reposer là parce que... Tu sais que tu peux travailler en étant épuisé hein. Ouais mais c'est trop long. Alors déjà quand tu portes les bûches, tu te traînes alors si en plus... Bah, t'as pas vraiment le choix hein, en réalité parce que... Moi je fais deux tu coupes deux bûches, c'est fini, t'es épuisé, donc si tu continues pas à bosser... Ah non, je coupe beaucoup plus que ça. Ah carrément, t'as de la chance toi. T'es pas mourant aussi.
Ah, j'ai quand même 5 points de force. Hein. Voilà. Des chanceux. J'en ai de la force, moi, ou pas? Ouais, pareil. Je peux répartir 22 points de talent. Hop. 22, ah, je suis à 16, moi. Je suis à 7. Alors, je peux lire la pêche. Lisons la pêche. À propos, la pêche, la chasse et la récolte d'herbes, ça permet de se sustenter sans avoir besoin de planter, d'arroser toutes ces cochonneries-là. Oh ouais, bah j'ai fait des recherches sur tous les endroits où j'ai planté des tomates. Hein. C'est comme ça que j'ai trouvé des vers de terre, des baies inconnues, etc., etc. J'ai quand même deux en recherche. Pourquoi cette porte elle ne s'ouvre pas? Putain, ça remonte tellement lentement le Abusu, c'est ouf. Hein. Ça fait une heure qu'on fond glande là quoi. Un petit coup de feu. Non mais je t'ai dit Abusu, ça prend vraiment beaucoup de temps. En fait, vaut mieux s'arrêter avant et faire autre chose quoi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Faudrait que je mange déjà. Bah déjà, la recherche nous en manque plein, la vache, c'est le drame. Je mange le dernier burger, il était sûrement pour quelqu'un d'autre. Ouais, pour moi, mais c'est pas grave. Bon app. Il y a du sandwich sinon qui est bien calorique si tu veux. Ouais, comme je suis obèse, ça me fera du bien. Alors, dépressif, à bout de nerfs. Si tu es obèse, il y a des salades sinon. Les salades, elles donnent beaucoup de nutrition, mais elles ont peu de calories. Merci, coach. Coach le signe. Ah coach bah, signe. Hein. Si, c'est menu personnalisé. Hein. Ah non, mais c'est beau. Alors, avoir ça en fin de monde, avec une fin du monde, c'est quand même classe. Hein. C'est clair, on mange bien à la maison. Il pleut encore, c'est la classe. Ah bah là, ça s'arrête pas. Là. Est-ce qu'on fait une sortie? On finit la muraille, puis après on fait une petite sortie en ville. C'est où je les mets, les bûches? C'est sûr qu'on va attendre de finir la muraille. Hein. À côté du magasin, là, où t'as mis toutes les cordes par terre dégueulasses? Ouais, c'est là-bas avec la muraille. Ouais. C'est 4 par emplacement qu'il faut mettre. De toute façon, moi je vais en chercher aussi des bûches. Putain, j'ai lu 3 ou 4 bouquins et je suis toujours à bout de souffle. Ah ouais, mais je t'ai dit, ça prend vraiment beaucoup de temps. Genre, tu prends. Allez, IRL, ça te prendrait une après-midi. Je vois plus rien d'un coup là. Ah c'est la nuit qui vient de tomber. Je peux quand même courir. Il est 21h30. Ah, mais au moment où j'ai pris la hache, je me suis mis à plus rien voir. Ça a tiré quelques. Non, c'est pas l'hélicoptère, moi aussi je croyais que c'était ça, c'est le générateur qui fait ce bruit là. Ah oui, c'est vrai. Mais je me suis fait avoir, hein, je te rassure. Putain, mais il nous reste tellement. tellement à faire. Oh, comment ça, tellement à faire? Pas tant que ça, hein. Oh, ça mais avance, ça avance. On a bien avancé, puis en plus, moi j'avais dit qu'après il fallait que je fasse mes murailles, et en fait, je suis en train de la faire maintenant, donc. Bon. Bah, je vais. On est ramené pas mal quand même, hein. Il faut que j'aille refaire la porte. Il faudrait casser la porte. Oh là qui est à gauche. Je vais casser des trucs, attention. Craignez aussi. On peut pas les upgrader. Des trucs. On peut malheureusement pas les upgrader. Coupe comme tu veux, je fais le transport. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Pourquoi ça les met pas les trucs? Mais ça arrête de les transférer dès que je regarde autour de moi. Oh, tu l'équipes. Ah, c'est bon. Pff, j'ai eu peur. Allez hop, c'est parti. Ah bah non, c'est pas parti du tout là. Pourquoi j'avance plus? Ça y est, vous partez? Non, bah non, j'essaye de revenir en fait. Non, je parlais à Katox et Damien. Ah non, mais j'ai... Ouais, bah, moi je repars faire ce que j'avais commencé à faire. Construit des murs, Katox. J'en ai ramené 15, je crois, des bûches. Bon, je te laisse construire un peu. C'est cool, on va pouvoir avancer de 4 cases. Ouais, bah ça va, merci. Hein. Mais c'est pour te dire le boulot qu'il a fait Katox, quoi. Ah bah oui. C'était long. Bûches, là. Il y avait des bûches, là. C'était long, qui dit. Ouais, c'est le mot long. Ça me fait penser que là, il faut que je fasse un pilier. Ok, très bien. Il y a des bûches qui ont disparu, ça fait plaisir. C'est vraiment dommage qu'il nous manque. À une corde près, on pourrait faire. Bon, remarque, j'aurais pu prendre les 7 parce que j'aurais pu aussi en mettre 3 ensemble. J'ai été con. On peut lier par 2, 3 ou 4. Oui, t'aurais pu prendre les 3 qui tout, en fait. Ouais.
En fait, c'est à partir de deux cordes, tu peux commencer à transporter. C'est quand même bizarre qu'il y ait des chiffons sales partout. Hein. Ouais. Bah moi, je te dirais pas d'où ils sortent les chiffons sales. Hein. C'est clair. Ils étaient pas sales quand on me les a donnés, en tout cas. Savoir ce que t'en as fait avec, on peut pas le savoir. Cela ne nous regarde pas. Eh, par contre, faudra peut-être arrêter de l'avancer dans ce sens-là, Katox, et puis faire celui qui remonte plutôt. Bah oui, c'est ce que bah, je voulais passer derrière le cabri vert. Comme ça, au moins, on n'a pas besoin de calculer pour descendre. Parce que c'est le signe, parce que au cabri, c'est fini. Voilà. En fait, ça a coupé pendant ta blague, mais c'est pas grave. Laisse-moi mourir, tranquille. Pour éviter que YouTube strike la vidéo, quand même. Laissez-moi mourir, tranquille. Comment te dire? Ne dis rien. Ah, mais en fait, voilà. Si j'avais récupéré, j'étais à bout de souffle, maintenant je suis à bout de force, encore pire. Ah, il y a un truc après, je savais pas s'il y avait un truc en fait. D'accord, il y a un truc. Si, il y a un truc où vraiment tu te déplaces que en marchant. Marcher, et après, il y a à bout de force, tu peux à peine bouger. Ah oui, parce que là, moi j'étais à peine marché à bout de souffle. Ah, d'accord, ok. Merci d'avoir fait l'expérience. Et là, là c'est le moment où quand tu fais shift, ton mec marche plus vite. Mais la porte qui est en bas dans mon petit garage là, est-ce que vous arrivez vous à l'ouvrir d'un clic? Parce que moi ça me demande de faire clic droit, ouvrir oui, porte. Oui, etc. J'ai réussi moi tout à l'heure. Celle qui est à droite ou celle qui est en bas? Celle du garage. Ouais, oui, celle qui est en bas. Celle qui est en bas. Quoi. Attends, j'arrive en marchant vite. Parce que les autres portes, faut les ouvrir comme il faut en marchant vite. Ah, tu vois, je suis au maximum là. Bah, tu vois, moi aussi. On s'est croisés. Celle qui est en bas, hein. T'as dit. Ouais, celle qui est en bas. En gros, je te demande un test. Une heure plus tard, t'y es. Attends, je vais mettre ma lampe de poche parce que ça sent l'arnaque. Là. Ah, mais il pleut dans ton garage, y'a pas de toit. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Non, 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 y'a pas encore de toit là. T'as allumé lampe là? Putain, oui, la vache. Histoire de dire quoi. Bah ouais, écoute, moi elle s'ouvre, hein. Avec eux, ça s'ouvre. Je chope les bûches ici. C'est bizarre qu'elle s'ouvre pas, moi. Tu déposes les bûches? Bah, je te les prends. Pile. Ah oui, 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 ça... oui. J'ai une plus bonne idée, de piles, ouais. Diantre. Est-ce qu'on a des piles? Peut-être, oui, y a des regarde piles, dans mes tiroirs. Ouais, il y en a chez Katox et il y en a dedans. Il y a ce qu'il faut, hein. Chez Katox. Chez Slan. Chez Slan, qu'est-ce que ça fout là, ça? Rien à foutre là, ça. C'est vrai, chez Slan. Là, il faudrait que je mette un petit pilier là. Ah, chez Slan, tu veux dire dans le garage là? C'est ouais, ça. Ouais, dans le dépotoir. Bah, il dort là-bas d'ailleurs, non? Je dors pas moi en fait, jamais. Ah oui, c'est vrai. Encore mieux. T'es parti avec des bûches à la main toi, Katox, non? Tu m'as piqué des bûches? Ouais, bah comme ça, toi ouais, tu. J'en mets plus. Bah, non, c'est voilà. C'est que le chiffre a changé, donc je voulais juste comprendre. Qu'est-ce qui se passe? La voiture mange des bûches. Ah, j'ai pas dit qu'il y en avait, j'ai dit il y en a peut-être. Viens voir dans le petit meuble en fer qui est à côté de moi. C'est le meuble à bazar. C'est pour alimenter le gyrophare. Oula, ah oui, là il y en a un. Mettre des piles. Parfait. Alors aujourd'hui, un épisode entier consacré. Oh, remarque, on voit bien avec ça. Ah bah, moi il faut, sinon je vois que dalle. Mais moi, rien, elle s'ouvre en t'apportant. Désolé, mais. Ouais, mais elle s'ouvre d'un simple clic, ouais, bah pas moi. Bah, avec E. Et si je clique, ouais, faut bien viser parce qu'il y a des caisses autour, mais avec E, ça s'ouvre. Ah, j'arrive! Faut viser en bas. On va peut-être la ferme, sinon je vais encore me faire égratigner et je vais mourir une deuxième fois le même jour. Mais non. Bon, on va content. Éteindre la lampe, pour l'instant ça sert à rien. Ouais, ouais, comme ça tu me laisses dehors sans lumière. Oh là là, tu veux que je t'éclaire? Tu veux que je fasse un truc. Reviens pas, Katox, je vais ramener le camion même s'il est pas. Enfin, j'ai un problème de clou ouais, là-bas. Des clous posés par terre, mais j'en ai pour 4 heures à les ramasser. Y'a pas quelqu'un qui est pas essoufflé hein pour les ramasser. Mais moi, ça... lampe mais moi, ça... sur pilier. Ah, il faut 4 en menuiserie pour faire une lampe torche sur pilier quoi. Ah bah, tu veux que je la fasse? Ah non, je sais pas, tu voulais de la lumière dans ton truc. Je vais le ramener quand même parce qu'on perd ça, j'ai soufflé, je vais arrêter parce que. Ils sont où tes clous? Là par terre, mais c'est pas grave, j'en ramasse quelques-uns, mais. Je te vois, Katox, t'inquiète. Ah, mais vu que tu les ramasses, le jeu il gère pas trop là. Ok, je m'en vais. Tu les veux? Tu veux qu'on tente le coup de la lampe torche sur pilier pour voir ce que ça donne? Vous voulez que je vous éclaire au passage? C'est moche, c'est assez moche.
Non, c'est bon. Ah bon, non, ça marche pas. Bon, c'est bon. Enfin, dans le, sur le dessin, c'est assez moche, j'entends. Je te les mets où tes clous? Bah, dans mon meuble, ça sera plus facile à ramasser plus tard. Dans ton meuble à bazar? Ouais. Je sais pas si, ouais, si, on a la place. Il y a plus de planches. Voilà, t'as 100 clous dans ton meuble à bazar. Vous êtes témoin, hein, cela n'arrive même pas à porter des clous. Hein. Bah c'est oui. Bah, justement, je suis épuisé. Tout le monde va pas lire 5 livres à chaque fois qu'il a une petite goutte de sueur. Je vais aller reposer un peu mon perso. Hein. Bah voyons. C'est quoi ce truc par terre là? Des chiffons sales? Oh la vache! Comme ils sont bien rangés! Ça c'est, ouais, ça, hein. C'est beau ça! C'est quelqu'un qui a l'habitude. La pluie s'est arrêtée, j'ai cru que j'avais un crash. C'est pas ça, c'est un truc, mon écran frise. Ah là, mais on voit rien du tout, c'est le drame quoi. Ah ouais, en plein milieu de la nuit, c'est mort. Hein. Mais j'ai l'impression que ça a augmenté, surtout qu'il y a plus de lumière maintenant. Bah ouais, disons que là, on voit vraiment plus rien. Quoi. Enfin, moi j'y vois vraiment plus rien en tout cas, je sais pas vous. Mais... Moi j'y voyais rien avant, donc c'est plus ou moins pareil. Ah, du coup, si j'équipe ma hache, je lâche la lampe torche, donc je ne vais pas le faire. Bah non, surtout pas. Après, tu vas éteindre les feux de la voiture. J'ai ramené des cordes de drap, je sais pas si t'en as assez, mais... Il y en a. J'ai fait un cadre de fenêtre derrière l'escalier. Qu'est-ce que je suis con. Mais écoute, nous ne présageons de rien. On avait pas dit qu'on faisait le mur dans l'autre sens, parce que là, tu vas pas tomber en face, Katox, justement. En face. Bah en face de celui qui monte en bas. Oh bon, on fera un petit... Comment t'avais dit la dernière fois? Une chicane. Une petite chicane. Ah ouais, la fameuse chicane. La petite chicane. Là, jouer la chicane. Ça mettra un petit peu de vie dans l'ensemble du bâtiment, tu vois, c'est... Et bah moi ce que je vais faire, c'est que vu que mon personnage il en peut plus et que j'en ai ras le bol de galérer, et bah je fais un petit AFK le temps qu'il remonte. Voilà. Bah vas-y, c'est ça, tire-toi. À demain. Putain, la vache, cette salade, 920 calories la salade, putain quoi. C'est une salade du McDo quoi, putain. J'ai mis quoi dedans? Ah, du poulet et tout, oui bon, ça peut se... C'est ça qu'il me faut à manger. Ça peut s'entendre. Bah, c'est des salades fraîches, ça s'appelle salade fraîche dans le frigo de droite. J'y vais. De toute façon, faut que je boive. Le générateur, il en fait du bruit d'hélico là. Où est-ce qu'elles sont les bouteilles d'eau? Elles sont bah, dans les bars là, dans le bar à bouteilles là. D'accord. T'en suis du fond et de l'eau. Soda, je vais boire du soda. Et il est hop le. En fait, on est sous un ouragan, c'est pas possible. C'est en même temps, on est quoi? On est ah non, il est en juillet. Ouais. On doit être en Alabama et l'ouragan Dorian il tombe sur le coin de la gueule. Lol. Salade de jambon frais, c'est ça? Ceux qui ont non, suivi. Non, pas celle-là, c'est celle qui s'appelle juste salade frais. La salade de jambon, c'est que 400 calories. Ah, y'a plein de trucs dedans! Et juste en dessous, tu dois avoir une salade fraîche et celle-là, c'est 900 calories la salade. J'ai failli la manger en fait, j'étais well feed. Juste avec la canette de soda, je comprends pas. Damned, il faut que tu reviennes. Il est parti pour de bon, Damned, de toute façon. Ah, j'ai besoin qu'il bouge là. J'ai besoin qu'il bouge l'ambulance. On va le kick, on va prendre un viewer qui travaillera plus dur. Alors, comment ça marche l'eau souillée? Genre, on fait ça et ça cuit. Tu mets au micro-ondes et t'attends. Essaye de mettre plusieurs trucs en même temps pour pas gaspiller. J'ai mis une marmite là pour voir, mais... Vous savez, la porte qu'on a fait là, si on veut, je la démonte et j'en fais de mieux. Non, non, laisse-la tranquille pour l'instant. Ok. Tu seras gentil. Fais ce que tu veux, mais voilà. C'est tout. Pas d'autre de plus à rajouter. Elle est putainted, d'accord, très bien. Du coup, je peux remplir des bouteilles avec. T'as pas vidé des bouteilles d'eau Sur une porte, je peux pas la reconstruire. Plus de planche. Alors, est-ce que je peux remplir ma bouteille d'eau avec ma marmite? Ah, je peux pas remplir ma bouteille d'eau avec ma marmite, c'est con ça. Ah oui? Attends, faut peut-être que je l'utilise en objet, non? Un truc du genre. Verser dans la bouteille vide, ah oui, voilà. Voilà! Et du coup, je peux remettre ça là et retourner mettre la marmite dehors pour qu'elle se remplisse. D'accord. Bah, fais pas attention à la porte, elle est en travaux. Intéressant. Putain, mais c'est quoi le gros bordel devant la porte là?
Ah, c'est rien, c'est travaux. Des morceaux de porte. C'est celle-là qui est en travaux, d'accord. Okay. Je pensais que tu parlais de la porte, vraiment les portes dehors. Bah, de toute façon, je vais les refaire aussi parce que je les ai fait, j'étais niveau. J'ai fait des portes de niveau 1 et maintenant je fais des portes de niveau 3, donc beaucoup plus solides. Donc autant ne pas attendre qu'elles cassent et qu'une horde de zombies nous envahisse. Bah, du coup, autant faire celles qui sont sur l'extérieur et pas celles de la maison tout de suite. Ouais, mais j'ai commencé en fait, j'en ai déjà cassé une. Et c'est ce que j'ai dit, il va falloir casser les portes pour les refaire. Je peux courir, putain, c'est ouf. Construire, porte, en bois. Voilà. Du coup, Danette s'est barré avec les clés de l'ambulance, c'est ça le délire? Ah bah oui. Allez, on va récupérer. Tu peux descendre, tu peux faire le mur en bas du coup, Katox. Ouais, ouais, c'est. Mais là pour l'instant, j'attends qu'on bouge la. J'attends qu'on bouge l'ambulance, donc je suis en train de faire une espèce de. De razzia de forêt là. L'Amazonie à côté, c'est de la merde. Ah, parce que tu vois quelque chose dehors toi? Suffisamment pour couper des arbres. Ah, y'a un talkie-walkie, je vais le démonter. Genre, mon perso il est à bout de force, il arrive à peine à bouger, mais je lui fais coupe un arbre. Alors, mais oui, moi là, vous pouvez constater ce que je vois, les viewers, c'est-à-dire mon nom, avec des gouttes de pluie. Ça donne un côté très. C'est tout. C'est tout ce qu'on c'est voit. C'est la mélancolie. Tu mets une musique triste. Je pense que ça vaudra la musique triste. Ouais. Après, pourquoi ce lampadaire est en dehors de chez nous? C'est un scandale. C'est vrai que là, au niveau, à ce niveau-là, on a merdé. Est-ce qu'on peut démonter le lampadaire? Sûrement avec la masse. Non, mais la masse, elle démonte pas, elle casse tout. Non, il y a des trucs que tu peux démonter avec la masse. Construire divers. Une croix en bois. Un cairn. Ouais, il faut des pierres pour ça, 6 pierres. Un cairn quoi. N'importe quoi. Bah, c'est pour quand tu fais des randos, tu construis des petits cairns et comme ça tu sais pas où te passer. Quelqu'un pourrait venir démonter avec la masse le cadre de. Le quoi? Je peux. Le cadre de porte? De fenêtre. J'ai fait un cadre de fenêtre, mais je l'ai mis à un escalier devant, du coup il sert vraiment à rien. Ouais, on s'en fout. Je vais laisser mes planches ici parce que. T'as même pas de plafond de toute façon. C'est sympa. Ah ouais, tiens, non, je vais pas laisser mes. Ah, c'est trop tard, je peux pas empêcher. Ramasser. Et re. Tu peux bouger là. L'ambulance. On a rien pu faire, hein. Donc on a pas pouvoir empêcher d'entrer, Damned. Tu vas pouvoir transporter quelques bûches. J'en ai coupé quelques-unes. Alors, pas beaucoup, quoi. Ouais, ouais. Faire attention parce que t'as des bûches qui sont cachées par les autres arbres. Putain, mais genre, il fait style, il court et tout, quoi. Une bûche peut t'en cacher une autre ? Ouais. Un arbre peut cacher une bûche. Attends, est-ce qu'un zombie peut cacher un arbre ? Attends-moi. Y'a moyen. C'est bon, je suis là. Attention, je reviens vers la base. Ça coûte combien de faire un sol? Ça a pas l'air de coûter très cher en fait. C'est un peu plus bas, un peu plus bas. Dans le sud, voilà, tout droit. Oh my god! Je manœuvre. T'as tout ça à transporter. Ça tira? Oui. Merde, je suis sorti sans couper le moteur, grosse erreur. Il nous refaut du bois. Ah ouais, y a quelques bûches, ouais. Donc l'idée c'est de les charger, c'est ça? Bah oui. Ouais. Donc on a deux trucs à casser à la masse, faut faire une sortie dans les toilettes. Ouais. Et faut casser ma fenêtre. Oh mais laisse-la donc ta fenêtre. Bah t'as la masse avec toi ou je vais la chercher? Non, je l'ai pas. Je vais la chercher. Parce que là, avec tout ce que j'ai coupé, inutile de dire que mon perso il sera essoufflé pendant un petit bout de temps. De toute façon, moi je me suis jamais reposé. Hein. Depuis 12 épisodes, même entre les épisodes, j'ai bossé. Le mec quoi. J'arrête pas, j'en peux plus. En fait, j'ai pas ce qu'il faut pour les lier les bûches, donc je pense que je vais couper des armes moi aussi. C'est de la corde, la vraie corde. Non, mais qu'il faut.
Mais faut non, jamais alors... fabriquer les piliers en même temps, hein, par contre. Alors non, ne coupe pas, hein. Fais de la bûche parce que moi c'est pas, j'ai 4 cordes donc je les lis une fois et après tout le reste je le fais à la main, hein, sinon on n'y arrive pas. Alors moi j'ai un connection to server lost. Est-ce que t'as envie d'arrêter l'épisode? Et ben oui, j'ai envie de dire que l'épisode est assez duré donc on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la connexion n'est pas perdue et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. À tous, à plus.